Dunkerque 17e accueille Sochaux 7e. Les Dunkerquois sont en dehors de la zone rouge, mais ça se joue à très peu et il faudrait faire un bon résultat pour s'éloigner de cette possible relégation. Se maintenir en Ligue 2 BKT, c'est l'objectif de Dunkerque et c'est possible. Les Nordistes restent sur 4 matchs sans victoire, 3 nuls et une défaite, mais ils peuvent encore faire de bons résultats. D'autant plus qu'ils ont pris un point en semaine, un point pris contre Amiens, un partout, lors d'un match en retard. C'est à confirmer à la maison et pourquoi pas avec un succès contre Sochaux. Des Sochaliens qui eux restent sur une victoire après 4 matchs sans gagner. Première possibilité pour Dunkerque, le tir de Billy Kedke au fond de faune, sauvé par Maxence Prévost. La réponse sochalienne. Avec ce contact dans la surface et le pénalty accordé par Alexandre Perroniel. Très belle possibilité après 18 minutes pour Chris Bedia. Mais c'est stoppé par Axel Maraval. Le gardien et capitaine de Dunkerque est parti du bon côté. Et il a parfaitement arrêté ce ballon. Il se fait mal sur le coup. Mais il a sauvé son équipe et à la mi-temps, ça fait 0 à 0. Sochaux a eu clairement la meilleure occasion. Mais Maraval était là. Dunkerque a donc toujours sa chance en seconde période. Même si Sochaux est l'équipe qui attaque, ce tir de loin est sauvé par Axel Maraval. Encore lui. Très belle envolée du gardien de Dunkerque. Sur ce tir lointain de Christophe Diédiou. Le gardien de Dunkerque a laissé son équipe dans le match et la situation des Nordistes s'améliore. Carton rouge contre Abdallah Ndour, le Sochalien, à la 66e minute. Un coup dur pour Sochaux et peut-être un signe pour les Dunkerquois. À 11 contre 10, ils attaquent encore un petit peu plus. Et ils sont tout proches de marquer sur ce ballon enroulé par Ilan Kebal. La possibilité de marquer se rapproche. Nouveau mouvement intéressant. Voici enfin le but du 1-0. À force d'y croire, les Dunkerquois sont récompensés. Le but de Guillaume Bosca, entré en cours de match. 84e minute, c'est la libération pour Dunkerque. Le deuxième but de la saison pour Bosca, servi par Malik Chokounte. Dunkerque y a cru jusqu'au bout et réussit à prendre les 3 points. 4 points dans la semaine pour Dunkerque, ça fait du bien. Victoire 1-0 contre Sochaux.